tandis que la bataille pour notre île commence. Salut à tous et bienvenue sur GameTest TV, c'est Akira. On se retrouve pour une partie de Far Cry 3 sur PlayStation 3, donc en online. Voilà, je voulais tester le online. Donc le but du jeu dans cette partie, en fait, c'est de récupérer les trois camps, en fait, qu'on voit clignoter sur la carte en bas. Une fois qu'ils sont de couleur rouge, en fait, c'est que c'est l'ennemi qui a récupéré le camp, et une fois qu'ils sont de couleur bleue, c'est nous. Voilà. Donc, 14 minutes. Hop là, je me concentre un peu. C'est sur 14 minutes donc. Et le but c'est de récupérer le plus de camps possible. Enfin, du moins, de garder les camps le plus longtemps possible. Donc là j'arrive sur le camp. Alors pour pouvoir le contrôler en fait il faut que je me mette sur la fumée. J'essaie d'y aller mais je sais pas si je vais pouvoir. Je sais pas si je l'ai eu, je crois pas que je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. Eh ben ça y est, hop, il y en a un deuxième. Oula. Là c'est chaud, là c'est chaud. Oh, il m'a tué, je l'avais pas eu. Donc là, je récupère le camp. Ça va péter. Oh, une petite grenade. Mince. Putain, des fois je veux courir, j'y arrive pas quoi. Oh mais je vais pas réussir à l'avoir, c'est pas possible. Oh là là. Alors là en fait quand j'appuie sur croix, ça me maintient en vie pour que en fait mes amis viennent me. Comment dire, me soigner, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Si je lâche croix en fait, ben je meurs plus rapidement et du coup ben, je recommence sur un point, un des camps que l'on a attrapé. Donc là on a tous les camps, on joue plutôt pas mal. En haut on voit l'avancement, la barre bleue et la barre rouge, on voit que la barre rouge est en train de reculer, donc il commence à perdre pas mal de terrain on va dire. Voilà. Il y a un gars qui est en train de mourir. Ben ça y est, il est mort. J'aurais pu aller le sauver en fait. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Comment ça se... On a tous les points encore. Je sais pas ce qu'ils font. On se balade, on se balade. Non, c'est quand même bien marrant. Il y a plusieurs modes online en fait. Il y a même... On peut jouer à multijoueur écran splitté. C'est bien sympa aussi. Je l'ai essayé le mode et c'est plutôt pas mal. Donc là voilà. C'est le online. On sécurise la ZL. Je l'avais pas spécialement joué. Mais c'est bien sympa. Oh putain, j'ai lâché trop tôt. Voilà ce qui se passe quand on lâche trop tôt. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez sur le plan, quand on voit les mains qui clignotent, en fait, c'est que en fait, c'est pour aller soigner un ami. Je vais essayer de me concentrer parce que je parle, et en fait, après, je ne me concentre pas. Je l'ai pas eu. Je crois que j'ai... Putain, il y a une grenade qui a pété pas loin. Ah, putain, j'ai plus de munitions. Et je suis mort. Ouais, ils vont venir me soigner normalement. Allez, c'est reparti. Par contre, j'aurais peut-être pas dû me soigner. Enfin, j'aurais dû me laisser mourir pour récupérer toutes mes armes en fait, finalement. Allez, c'est parti, je vais réapparaître. Au moins, j'aurais récupéré toutes mes armes. Allez. Alors là, ils ont récupéré deux camps. Donc en haut on voit qu'ils sont en train de gagner du terrain, mais avec en fait avec l'avance qu'on a en 10 minutes, le peu de temps qui reste, je pense pas qu'ils récupèrent leur avance en fait. On a quand même une bonne équipe. Alors. Putain, je l'ai pas vu.
Ah, j'ai carrément pas vu quoi. Allez. On y va, on y va. Essayez de pas se refaire avoir. Ils essaient de prendre le fort. Le but est lancé. Ils s'entraînent en hangar. Ils attaquent le fort. Oh, ça tire de partout. Et moi j'arrive et c'est trop tard, j'arrive après la guerre. Bon allez. Alors voilà, il faut courir en fait, hein, faut pas être fatigué. Faut courir d'un point à l'autre. Bon mais je suis mon petit pote, je sais pas comment il s'appelle. Tiens, je t'ai sauvé la vie. Oh, il avait un sniper. Putain, j'ai pris le sniper. Où est mon arme? Voilà, voilà. Sniper, c'est bien pour quand on veut jouer un peu planqué. Mais moi, j'aime pas jouer planqué. Je préfère jouer un peu plus bourrin, quoi. Enfin, bourrin. Je suis pas si bourrin que ça, en fait. Mais j'aime bien avancer, quoi, et buter les mecs, quoi. Par contre, pour les avoir du premier coup, c'est chaud, quoi. Lui, je l'ai touché plusieurs fois, il est pas mort. Ou il est mort, je sais pas. Ah non, je me fais toucher. Ah putain. Oh là, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah. Voilà, quand je m'énerve un peu, quand je stresse un peu, on va dire, je fais n'importe quoi. Je sors le couteau, je jette des grenades. Alors le jet de grenade avant de mourir, en fait, c'est... C'est un tic que j'ai attrapé sur Uncharted, en fait, sur l'online, c'est de jeter la grenade quand on va se faire tuer pour pouvoir tuer l'ennemi. Ça va péter. Hop, ça va péter. Ah, il m'a pris par derrière, le con. Et allez, 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 c'est parti. C'est parti. À mon avis, on va gagner quand même, parce que là il reste 7 minutes, ça va être chaud pour eux. Ça va être chaud pour qu'ils remontent la pente, on va dire. On est bon, on est bon. Alors. Alors sur la carte, on les voit apparaître en fait, les points quand ils font du bruit. Après, ils disparaissent, par exemple, quand ils tirent, en fait, on les voit pas. Ah mince, c'était. Oh là là! J'ai réagi 3 heures après. J'ai pas fait gaffe. Je crois que c'était un pote à moi. Même lui, j'ai vu qu'il hésitait sur le coup. Alors après, ça va être sympa aussi de jouer avec le micro et de jouer avec des mecs que l'on connaît. Comme ça, on peut se parler, on peut faire des tactiques, etc. Ça va être bien plus sympa. Là, je connais personne et puis personne ne se parle. Donc voilà. Mais bon, ça reste sympa quand même. Hop, j'ai récupéré mon arme. Mon arme me plaît. Ah là, le même que tout à l'heure. Eh bien, au même endroit, c'est énorme. Je sais pas si c'était le même que tout à l'heure, mais en tout cas, c'était la même scène. Ah là là, par derrière, le mec paqué là-bas. Je sais pas trop à quoi ça sert de voir ce ralenti là. Allez, soignez-moi. Ouais. Bon, on va essayer de prendre le camp proprement. Hop. Ah, changement d'arme, changement de chargeur. J'ai du mal. C'est dur de se concentrer, de parler en même temps. Et ben voilà, ça y est. Il m'a shooté par la fenêtre, le con. Il reste 5 minutes, il remonte un peu la pente quand même, hein, mais mine de rien. Allez. J'espère qu'on n'entend pas trop la télé en fond. Parce qu'il y a la télé qui tourne. En même temps que je parle, donc je sais pas trop. Alors moi je sais pas d'où il tire lui. Je sais pas où il tire. Bon. J'ai vu personne. Ah, c'est derrière, ils arrivent de par derrière.
Allez hop, lui il est foutu. Hop, lui c'est pareil. Putain, il a fait. Il a pris une jet. Allez, c'est parti. Ah, j'en ai vu un. J'en ai vu un. Il y en a un derrière. Non! Ah là là, en fait, ouais, ce ralenti, ça sert à voir comment il m'a touché, en fait, sur le déplacement. Je suppose. Je comprends pas trop. Mais personne ne vient me sauver. Merci, les gars. Bah, ils m'ont laissé crever, quoi. Oh, merde, putain. Oh, 3 heures après, lui, je lui tire dessus. Ah, mais je l'ai eu. Je l'ai eu ou c'est pas moi qui l'ai eu, je sais pas. 3 heures après quoi. Temps de réaction de chiottes. Oh là 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 là. Je sais pas ce que je regardais là mais je regardais pas trop l'écran. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah c'est bon. Je croyais que j'allais réapparaître je sais pas où. Et plus que 3 minutes, plus que 3 minutes et on a gagné. Et bien sûr, je terminerai cette vidéo comme ça. Allez hop, on va prendre le cordage. Oh toi t'es mort. Allez hop, ça c'est fait. Je vous avouerai que j'ai eu un peu de peau je pense, parce que c'est la première fois que je fais ça sur la corde, comme ça, mouvement. Déjà que je galère quand je suis pas en mouvement. Alors. Mais bon, c'était joli. Merde, je l'ai loupé. Ça va péter. Ça va péter, ça me fait penser à Counter. Même si c'est pas un jeu que j'aime bien, ça me fait penser à ça. J'ai déjà entendu comment ça faisait. Ça va péter, ça va péter. Boum. Putain, c'est... Oh non, je suis dans un bug. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est la deuxième fois que ça m'arrive quoi d'être dans un bug. Oh là là là, je suis où là? Je suis sous la cascade. Voilà, je suis bloqué dans la cascade. Ben voilà. Si personne vient me tuer, en fait, je vais rester bloqué. Voilà, je suis bloqué. Mais ça serait con que la vidéo, on la termine comme ça quoi. Ça, c'est bien, c'est bien. Et plus que 2 minutes et c'est fini, et on a gagné parce que là ils remonteront jamais, même s'ils prennent les 3 territoires. Bon, cette arme est plutôt pas mal finalement, je l'avais jamais utilisé, je trouve ça sympa. Les voix, c'est saoulant un peu quand même là. Je trouve ça un peu saoulant, toujours les mêmes. Et je vais essayer d'en tuer encore un ou deux. C'est quoi ça? Oh là là, ça commence bien. Oh là là là, oh là 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 là. Double élimination. Oh putain. Oh, comment je les ai tués quoi. Oh merde, putain, je l'avais pas vu lui. Oula, j'ai cru qu'il allait avoir un autre bug. Bon ben voilà, plus que 40 secondes. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain test. Jouez bien. Et puis voilà, à plus. Je vous laisse jusqu'à la fin quand même. Je vous laisse le jeu jusqu'à la fin. Largage de propane détecté. Il s'attaque fort. On
Et voilà, je termine sur la mort de mon personnage. Super. Super. On a gagné, votre équipe a gagné. Et voilà. On a gagné. Donc, petite humiliation. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Non, abusé, prends la Macarena. C'est terrible. Allez, je vous laisse sur cette Macarena et je vous dis à plus pour un prochain test sur Game Test TV. Salut, jouez bien.